Dans la première partie, nous vous avons montré le résumé du procès qui, pendant très longtemps, a fait l'objet de plusieurs mensonges du camp Katumbi. La deuxième partie du dossier qui oppose le président Pascal Béveragi à Moïse Katumbi, que nous vous présentons ici, explique le contexte d'un dossier qui a été pendant très longtemps édulcoré par Moïse Katumbi et ses affidés. Suivez très attentivement un des avocats du président Pascal Béveragi qui administre la liaison de droit. Très important à suivre. Par débouter la société Astalia a vu sa décision être retoquée au degré d'appel et une vente des actifs fut annulée. Astalia ayant invoqué vis-à-vis de la société Necotrans le droit, son droit de préemption. C'est donc ce droit de préemption qui lui a été reconnu par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. En règle ordinaire, la société Necotrans étant mise en liquidation, une liquidation judiciaire, les actifs sont réputés rentrer entre les mains du liquidateur judiciaire en vue de voir la société Astalia invoquer son droit de préemption, lever ce droit de préemption avec une offre de rachat des actifs. Sans attendre cette étape qui aurait pu lui permettre de racheter les actifs de la société Necotrans, la société Astalia s'est précipitée à amener l'arrêt de la Cour d'appel de Paris devant le juge de commerce, d'abord de Lubumbashi et par la suite celui de Colusi, pour obtenir quoi? L'exéquature de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. Et pourtant, les dispositifs de cet arrêt ne permet pas une exéquature au Congo. Mais Astalia sait, elle, comment elle obtient les décisions judiciaires au Congo. Mais l'exéquature, comment elle l'obtient? C'est une simple ordonnance par laquelle le chef de juridiction, celle qui est saisie, indique qu'après avoir vérifié que la décision dont exéquature est sollicitée dans son contenu ne viole aucune des règles du droit interne et notamment l'ordre public, dit donc dans cette ordonnance qu'il autorise que cette décision-là soit mise à exécution dans sa juridiction. En réalité, il ne touche pas à la décision. Et dans cette ordonnance, on ne doit même pas retrouver le dispositif de cette décision-là. C'est une ordonnance qui rend exécutoire. En réalité, les dossiers sont renvoyés vite au greffe pour y apposer la formule exécutoire. Et c'est le dispositif de cette décision-là qui est exécuté. Mais Astalia a obtenu quelque chose d'extraordinaire au Congo. Astalia, ayant saisi le juge pour obtenir l'exéquature, se retrouve avec un jugement dont le dispositif n'a rien à voir avec celui de la Cour d'appel de Paris. Et bien entendu, Astalia n'aime jamais la présence des autres parties. Elle l'a obtenue seule. Vous tentez de faire opposition, et vous ne plaidez, vous ne verrez jamais le juge. L'affaire n'est soit pas appelée, soit elle ne sera jamais plaidée. Parce qu'elle a déjà sa décision. Et c'est donc sur base de cette décision-là, dont le dispositif est différent de la décision qu'elle est censée exéquaturer, que la société Astalia pratiquera le 2 octobre, le 23 septembre d'abord, et le 2 octobre 2020, une saisie attribution des créances. Et pour que cette saisie soit régulière,
conformément à l'article 157 de l'acte uniforme portant précédent de cette recouvrement et voie d'exécution, la société Astalia a produit le titre exécutable. Énoncé quand même dans l'exploit, mais l'a produit. Et voici ce que la société Astalia a produit. C'est ces jugements-là du juge de commerce de Colusi. Depuis lors, nous ne savons pas plaider en défense d'exécuter, parce que devant les juridictions du Lalaba, Astalia, qui n'a pas son siège au Congo, semble avoir élu domicile plutôt dans les juridictions. Et il y est très actif. Je n'en dirai pas plus, Monsieur le Président. Mais lorsque vous analysez l'acte de saisie, vous vous rendez très vite à l'évidence que cet acte de saisie ne respecte pas les dispositions légales en la matière. Notamment l'article 157 qui renvoie dans l'un de ses alinéas à l'article 33 de l'acte uniforme évoqué tout à l'heure. L'article 157 dispose effectivement que le créancier procède à la saisie par un acte signifié au tiers, par l'huissier ou l'agent d'exécution. Cet acte contient, à peine de nullité, l'indication des noms, prénoms et domicile des débiteurs et créanciers, ou s'il s'agit des personnes morales, de leur forme, dénomination et siège social. Ce premier point de l'article 157 est prescrit à peine de nullité. Je ne vais pas revenir sur cette nullité qui est de droit. Une nullité qui ne demande pas qu'on puisse rechercher dans le chef de celui qui l'invoque à justifier d'un préjudice quelconque. Votre juridiction a pris des décisions dans ce sens et décisions qui étaient par ailleurs conformes à celles prises par la haute cour de l'espace du droit communautaire, la CCJA. Mais lorsque vous regardez sur votre acte de saisie, vous allez vous rendre compte que l'adresse qui est indiquée comme étant le siège social de la société Octavia n'est pas la bonne. Parce que nous produisons les actes qui confirment et qui indiquent un siège social qui n'est pas celui-là. Je ne sais pas où est-ce qu'Astalia est allé le chercher. Je sais comment Astalia obtient des décisions judiciaires. Mais comment il est allé à fabriquer même le siège social, ça je ne l'ai pas compris. Vous allez voir sur la première page, il y a l'adresse précise de la société Astalia. Que le saisissant, Octavia j'allais dire, que le saisissant Astalia a indiqué renseigner être domicilié aux Émirats Arabes Unis. Mais seulement, l'adresse qu'il y est renseignée comme siège social n'est pas celle de notre cliente. Pour ce seul moyen, la saisie est nulle et main levée doit en être. Mais bien plus, la même disposition indique qu'il faudrait, au point 2, à peine de nullité, indiquer l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. Énoncer le titre exécutoire. Sur ce moyen, il faudrait donc revenir et aller à l'article 33 pour que nous puissions tous vérifier. Qu'entend les législateurs communautaires par titre exécutoire pouvant fonder une partie à pratiquer une saisie attribution de créance. L'article 33 constitue de titre exécutoire les décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire et celles qui sont exécutoires sur minute. Je ne veux pas aller dans les autres points,
Mais sur ce premier point, on parle des décisions juridictionnelles. Il me semble que celle qui ait permis à la société Astalia de pratiquer la saisie en est une. Celle rendue par le juge de commerce de Polesi, dans les conditions indiquées tout à l'heure, dans l'obscurité. Mais l'on dit que cette décision juridictionnelle doit être revêtue de la formule exécutoire. La décision est là, celle que Astalia a produite en annexe du PV de saisie. Mais la formule exécutoire, nous la connaissons tous. Il y a une première formule sur le premier feuillet qui indique à ceux d'aujourd'hui et ceux de demain qu'une décision a été prise au nom de quelqu'un. Et on indique également qu'elle est exécutée au nom de quelqu'un d'autre. Quand on veut savoir si une décision a reçu la formule exécutoire, on commence par la première page. Mais vous allez vous rendre compte que sur cette décision, vous n'avez pas cette formule. Si vous ne l'avez pas sur le premier feuillet, n'allez pas chercher le dernier feuillet. Dans lequel, effectivement, le greffier ou la juridiction demande à tous les services publics de pouvoir prêter main forte à l'huissier qui viendrait entamer l'exécution d'une pareille décision. Cette décision ne constitue donc pas un titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'acte uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voie d'exécution. Monsieur le Président, je pense que à ce sujet, il est inutile de revenir sur la production des décisions judiciaires qui existent dans ce sens, à commencer par votre juridiction et les juridictions des autres pays de l'espace communautaire. Mais bien plus, la société Astalia, parce qu'elle aime bien inventer, elle a inventé une nouvelle forme de saisie. Parce que celle-ci, je la découvre avec Astalia. Dans cet acte de saisie, vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, qu'il y a une superposition des tiers saisies. Pas une pluralité, parce que la pluralité peut exister. Mais il y a une superposition des tiers saisies. Tout en annonçant que le titre exécutoire en vertu duquel nous avons bien démontré ici qu'il n'y en a pas un, serait cette décision, on se rend bien compte que cette décision est dirigée effectivement contre la société Octavia. Waouh ! Ce que nous venons d'apprendre ici est très fort. Cela a le mérite de servir de référence à tous ceux qui voudraient comprendre une non-affaire que l'on a voulu monter de toutes pièces. Monter, mais il en restera toujours quelque chose.